Je fais 1m62, 46 kilos. Moi j'ai 72 ans. Et là, ma petite. Bonjour, je m'appelle Hugo Fur. Cool, ce serait bien que j'ai en fait un changeur de voix. Non, bah non, ça c'est pas C'est faire. ça aussi. Non, ça c'est trop chanté. Mais il est rigolo celui-là. Voilà, donc ça c'est Non, non. horrible. Ouais, ça va pas à une fille. Je suis ici. Non, ça va. Alors, la fille, elle a du poil sous les bras. Mais beaucoup, tu vois. Ça, tu vas supporter cette voix-là pendant Oui, tout le truc. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est l'elfe dans Dungeon and Black. J'ai trop l'impression que c'est elle, c'est trop rigolo. On t'entend sur le stream, normalement, Oui, non? normalement, on Oui, on t'entend. Mais que je vais pas pouvoir jouer, je vais être en dehors tout le temps. C'est horrible. Bon alors, est-ce que le blé a poussé un petit peu? Ouais, j'en ai fait un peu. J'en ai trois. Pardon, excuse-moi. Ah oh, putain, je vais pas y arriver. Ah. Je peux taper Misaki maintenant, c'est plus simple. Parce que Effectivement. l'autre, ça me fait penser à Jufen. À chaque fois, je suis obligé de faire une gymnastique mentale pour pas t'appeler Jufen. T'as un très joli short, Misaki. Je tenais à te le dire. Merci. Elle fait ressortir Arrête de draguer, s'il te plaît. tes jambes rasées. Avec soin. Ah, j'essaie pas de te draguer, hein, j'essaie juste de te violer. Bon, on va où là? Moi, j'ai le mouton personne. Tu vas chercher le mouton? Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire avec un mouton? Ouais, c'est pour faire des vêtements à Calen. Bref. D'accord. On peut faire des vêtements? Attends, t'es en train de m'apprendre un truc là. On peut pas faire des vêtements. Je suis dans mon rôle. Ah! D'accord. Ça marche. Ah, j'ai chaud là. Je vais me déshabiller. Et du coup, je reviens toujours, si je parle en japonais, est-ce que ça fait une voix intéressante ou pas? Bah, si, essaye, mais je suis pas sûr que je vais comprendre parce que déjà en français c'est pas ouf. Toute façon, tu comprendras pas, hein, ça c'est sûr. Bah, oui, mais vas-y, vas-y, j'ai envie d'écouter l'elfe parler en japonais. Putain. Nihongo, Ouais, vas-y, continue. ça va bien, tu vas te reposer, ça? D'accord. Nande, C'est nande bizarre parce qu'en fait, le japonais c'est beau à la base. Mais avec cette voix, ça fait un peu dégueulasse. Après, il apparaît peut-être que la nuit. C'est un mouton garou. Ah, juste trop bizarre quand tu rigoles. Si je fais une voix un aiguë Ah, avec ma juste voix toi, tu normale, sais faire une plus voix aiguë? aiguë. Bah, un peu, ouais, quand même. Vas-y. Surtout si je parle japonais, c'est encore plus facile. Vas-y, fais une voix aiguë. Ah, attends. Tous les efforts sont Préparation. faits. Anatawa ne hontou ni C'est pas mal. Ah, j'aime bien. Vas-y, parle tout le temps comme ça. desho? C'est encore plus aigu, non? Ah bah oui. Ça fait... En fait, c'est pas plus aigu, c'est plus doux, en fait. Mmh. Parce que là, t'es Du déjà en coup, faut aigu. que mon corps soit un peu plus doux en fait. Bah ouais. Pas trop parce que sinon ça va casser la voix. Casser la voix. Et moi, Non, ça fait pas. si je parle plus aigu, ça fait quoi? Ça fait très bizarre. En fait, est-ce que tu connais ZQSD? Les touches, oui. Non, le. C'est un podcast. Non, je connais pas, je connais pas. En vrai, d'abord, faudrait appeler sur le terrain. De quoi? Tu veux que je te fasse un câlin? Non, aplatir le terrain. Ah! Aplatir le terrain, d'accord. À moins qu'il soit déjà gâteux. Non. Ok, peut-être Papy que gâteux j'ai trouvé. Alsa. Tu connais? Mais. Non. Ah, c'est vrai, ça manque de torches par contre. T'as raison. Je sais pas si t'as dit quoi que ce soit, mais t'as raison quand même. Pas du tout. En fait, je suis en train de dormir. D'accord, dis-moi, je te rejoins, attends. Non, non. Je vais pas Non, rater non, ça. non, non.
Non mais dans ce lit-là, ce lit-là il est pas fait, faut pas que tu dormes ici, faut que tu dormes à côté avec moi. Justement, en fait, je dors Attends, avant que tu dormes, comme ça je sais que tu me réveilles quand tu dors. pour cette nuit, t'es épargné, ça va. Voilà. Un zombie. Qui brûle. Oh là. Oh non! Mais ça qui est non! Pourquoi? Pas toi! Mais Miski, il y a ton soutien-gorge là. En face de moi. Tu viens de le prendre? Non. Si? Non, j'en avais pas. Ah. Ça m'a enlevé du monde. Le monde ne veut plus de moi en fait. Non, il n'y a pas mon casque, c'est pas grave, j'ai un chapeau vert. Bah, il y a celui-là là. Que j'avais mis là. Si tu veux le prendre. Non, 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 laisse-le, c'est le totem. Laisse le totem, ok. Ça rappelle notre nation. Les Rouennais. Ça rappelle notre nation, les gens morts, d'accord. C'est un reste des cadavres de l'avion. Mais on a fait comment pour s'en sortir, je me rappelle pas. Tu peux me rappeler? En fait, comme les consignes, vu que c'était Finnair et qu'ils allaient en vol en destination du Japon, en fait, ils font leur explication en finlandais. Ouais. Parce que toi, tu communiques en finlandais, tu ne comprends pas le finlandais, même si tu comprends des mots. Ah mince. Mais aussi en japonais. D'accord. Et grâce à ma connaissance du japonais, par raison, t'es japonaise. J'ai pu faire sortir quelque chose vivant, comme toi, dont je ne me rappelle jamais ton prénom. Ingolfur. Jason a disparu tout à l'heure. De quoi? Jason, tout à l'heure, il a disparu, donc je ne sais pas ce qu'il est. Ah mais oui, mais Jason, je crois qu'il était blessé. Il avait un morceau d'hélice dans le ventre. C'est pour ça. Est-ce que tu peux appeler sur le terrain et dire n'importe quoi? Quoi? Appeler sur le terrain. Pourquoi est-ce que j'ai... Attends. Je comprends pas tout. Misaki, tu parles un petit peu japonais des fois. C'est bizarre. J'ai 11 cœurs. T'as 11 cœurs? Moi, j'en ai qu'un. Oui. Tu passes avec ça très humaine. Mais en fait, j'ai une Apple Watch qui me dit un peu comme dans. T'as déjà joué Fallout ou pas? Quoi? Une Old Girl. Une Old Girl, t'as déjà joué à un jeu. Parle-moi vite, pitché, c'est. Une Old Girl, as-tu déjà joué à un jeu vidéo dans ta vie? Est-ce que j'ai déjà vu? Excuse-moi. Est-ce que tu as déjà joué à un jeu vidéo? Ah oui, oui! Oui, bien sûr! Ok. Fallout. Oui, je connais, j'ai pas vraiment joué, mais je connais plutôt bien. En fait, dans Fallout, t'as une montre, et en fait, j'ai une montre Pip-Boy. Qui s'appelle une iWatch. Ah non. C'est ça. Ben, mon iWatch, en fait, elle me dit où est-ce que j'ai mal et où est-ce que je vais bien. Ah! Normalement, c'est sur 10. Sauf que là, ça me dit que j'ai 10,5 sur 11. Ah! Et t'as mal où? Ce qui veut dire que j'ai mal au petit pied, c'est pas ça le problème. Ah, t'as tes règles, c'est ça? Tu veux pas me dire. Tu veux pas me dire où t'as mal, je comprends. Est-ce que tu veux avoir mal, toi? Et toi? Je te rappelle que j'ai une épée enchantée. J'ai une bêche, que ça te tue, je suis sûr. Ça va me râper la peau, j'ai pas envie. Je veux pas que tu plantes des graines dans mon corps. Je préfère que ce soit l'inverse. Non mais c'est pas possible. Si c'est possible, justement. Mais non, si on fait quelque chose un jour, tu vas mourir. Justement. De quoi? Si on fait quelque chose un jour, tu vas mourir. Ah non mais si j'ai un cœur moi, j'en ai pas 12, mais il est très énergique. Allez, bouge, je peux pas sortir. Je peux pas. Ah, je veux pas rester ici. Hop. Voilà, je veux avoir un peu de lumière du soleil. Parce que j'ai des os fragiles à mon âge. Du coup, faut que le calcium se fixe correctement. J'espère que tu comprends. Oui. Voilà. En fait, actuellement, j'ai un rhume des foins. Ah mince. Et j'ai sûrement peut-être. J'ai pris un doliprane. Et tu vas dormir? Afin de pouvoir réparer un peu cette voix qui est un peu trop aiguë. Ah d'accord, ça marche.
Parce qu'en fait, depuis le début, t'étais malade. Ok, j'ai pas compris. C'est Exactement. quand on est sorti de l'avion, comme l'air était froid, ça t'a mis C'est ça, immédiatement c'est ça. un rhume. Moi, ça va, j'avais mon respirateur. Donc, Du coup, j'ai pas eu ce problème. Comment est-ce que c'est? C'est bizarre! Ça fait tant d'effet un Doliprane! Oui. Bon, on a un souci là. T'as pas le droit de faire un lit en dehors de la base. On a qu'une base. Alors, oui, mais tu pues. Hein? Je pue! Mais c'est normal! C'est la vie! Mais... Il faut non mais il faut t'y habituer parce que tu pourras pas rentrer dans des ruines pleines de zombies hein si tu t'habitues pas Mais déjà à mon je vais odeur. dormir. Je vais dormir. Bah, Ça fait moi, plus tard, mon lit, en fait. M'en fous, j'ai un grand lit. En vrai. Moi aussi un jour. Tu verras. Tu verras un peu. Oula. T'as réussi à avoir une voix grave. Ah oui, d'accord. Attention, il y a un zombie. J'ai faim. Ah, mais on peut manger de la viande de zombie, c'est vrai. Mais t'es con, quoi. Ah non, j'ai trop faim là. Je suis obligé. J'ai faim. Il n'y en a pas d'autres. Est-ce que t'as pas ramassé un peu? Oh, si, y en a 22 là, mais voilà! Voilà, je vais manger du zombie! Ah, voilà, y en a 20. Tiens, t'en veux un petit peu? T'as faim? Ça va t'habituer à mon odeur, ça, je te l'assure. Mais t'as pas du tout appelé le terrain en fait? Non? J'ai creusé le terrain, c'est tout. Il fallait que je fasse. T'as pas le terrain? Ah, mais j'ai pas compris. Merci! Oh! De la vraie nourriture. Je peux me faire un sandwich au zombie. Au zombie. En vrai, le zombie, ça ressemble à du bacon. Hein. Ça me dérange pas trop. J'ai pas envie de le faire en vrai. Mais je te crois. Il doit le refaire. Quand je viens dans les coffres. Terrain. Quoi? J'étais en train de l'aplatir. Qu'est-ce qui va pas? Que je On va fais... aussi remplacer la pierre par du fer. Par oh du fer. Attends. Hop. Non, par de la terre. Mais j'ai trouvé du fer. Hop, voilà, j'ai une armée de pelles. C'est parti. On va aplatir ce terrain. Merci. Il a peut-être pas aimé que t'exploses non plus. Faudrait que tu m'expliques quand t'arrives à revenir dans ton lit après exploser quand un zombie te touche. Mais j'ai pas explosé, en fait t'es arrivé, moi je dormais juste en fait. D'accord, j'ai des hallucinations. Le mec il dit n'importe quoi le vieux ou quoi. Je suis pas vieux hein, j'ai que 72 ans. Ouais, j'en ai 19. C'était le bâton jeune. Je dis, ça m'a fait rentrer. Nante. Quoi? Nante, t'as non? Ouais, mais. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu as platé le terrain, mais tu devrais enlever ton lit. Putain! Hop, il est mort. Non, mon lit. Si tu me dis pas un jour. Ton lit, c'est un double lit, il est dans la maison. Il est avec moi. Dépêche-toi. C'est moi la figure d'autorité ici. Et tu me tapes avec une épée, toi, espèce de folle. Dépêche-toi. Tu veux m'achever avant l'heure? C'est que... Aplatis le terrain au lieu de parler. Travaille. Hop. Qui c'est qu'elle est? Qui c'est qui allait chercher la laine de mouton hein, hein? C'est Bibi. C'est qui fait la bouffée? Bah c'est Bibi en tuant du zombie. Je te rappelle que je suis un mangeur de zombies. T'es
T'as mangé quoi tout à l'heure? Du pain, mais ça n'a pas la même saveur. Je suis habitué à plus épicé du coup maintenant. Tu peux casser cet arbre au-dessus de nous? Parce que. Ouais, sur... Y'a pas que les îles qui volent. Y'a les arbres aussi maintenant. T'es sérieux? T'as pas retrouvé du fer. Qu'est-ce qu'il y a? Mec, je vais pas couper cet arbre là, c'est mort. Il fait un peu d'ombre. Ça me va pas trop. Oh là là, là. Ces jeunes, ils sont feignants. T'as fait quoi, franchement? J'allais m'amuser à grimper. Ah non, mais là, là ça fait. Ah non, bah, je pensais plus que t'allais faire Jane. Là, t'as vraiment une voix d'ado rebelle, hein, par contre. C'est marrant que ça marche. Ouais, je dis non. C'est à la perfection. T'as pas tes lunettes. Il me faut des. C'est quoi cette merde? Qu'est-ce que t'as fait? C'est ton lit ça? Et moi je dors où? C'est ton lit ça? Quoi? Merde! Mais pas me casser les couilles! Je t'ai pas cassé les couilles, j'ai aplati le terrain! Je t'ai obéi! Pour une fois! Putain! Oh là 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 là! Je vais jamais m'en sortir! Je crois qu'il y en a un de nous deux qui va disparaître au cours d'une nuit. Elle m'a creusé une tombe quoi. Je commence à avoir des carottes enfin. Ah! Les mets pas n'importe où hein! Ah si si! Tu vois ce que je veux dire? T'inquiète pas, t'en mangeras pas. C'est pas moi, je le sens, vu que je les coupe en petits morceaux, c'est tout. D'accord. C'est l'heure de dormir. C'est dommage que j'ai pas de lit. Si, t'en as. Hop. Je dors! Ah tu dors, ah, j'arrive. Par contre je mets où mes couches sales? Parce que la nuit moi je me lève pour quand j'ai envie de. Hein? Tu vois. Ouais. J'ai pas de temps à perdre. Le sommeil c'est important. Bah tu les gardes. De toute façon ça changera pas ton Attends, bah, je les jette. Du coup. Je les jette par-dessus le bord. Je jette ma couche sale. Hop. Voilà. J'ai faim. J'ai une carotte. Ah bah moi j'ai de la viande. Mais non. Oh j'ai gagné un cœur. Sur ma montre spéciale. Ah, toi aussi t'as une iWatch. Ouais, bah oui, tu. T'as vu? Il c'était dans l'avion. Je l'ai volé à un mec qui était en train de. De mourir. De mourir, oui. Je crois que c'était ton père. En Est-ce que t'as bien peur? Est-ce que tu peux te dépêcher et recouvrir tout le terre? J'ai de la terre. Ça va Misaki? Mais mec, en fait ce que tu fasses là actuellement, c'est que tu coupes, tu enlèves toute la pierre qui est sur ce qu'il y a ici, et tu la remplaces par de la dirt. Ouais mais j'ai un peu la flemme. Là, moi je peux le faire. Moi je préfère mettre. Ouais, je préfère que t'enlèves la pierre et que je mette de la dirt. Non parce qu'en fait vu que je lag quand j'essaie de. Parce que j'ai des retards. Tu vois? Attends. Tu utilises des mots japonais, je comprends pas. Quand je j'enlève un truc de pierre en fait, je sais pas pourquoi ça revient en fait. D'accord.
Comme tout à l'heure, tu sais, quand je dormais et que. Ouais, bah c'est Et pas que de je pouvais. chance. Peut-être que si tu dormais avec moi la nuit, ça t'aurais pas ça. Non, c'est pas ça que t'as pas compris. En fait. Si, j'ai compris. Bah, si je donne un coup de pelle. Quoi? Regarde, je donne un coup de pelle. Hop. C'est inutile. Bah, ça doit T'as avoir quoi une à foutre à utilité, à mon une avis. pelle à ton âge? À mon avis, ça doit avoir une utilité. Quel vieux con. Quoi? Mais tu vas me parler mieux que ça? Petite pute. Un vieux con. Jeter par-dessus le vide, tu vas voir si je suis un vieux con. Ah bah tu l'as fait! Bon bah. Bah ouais, t'as du bon rien là. Alors attends. T'as la terre. Mais attends. Hop. Merci. Voilà. Putain, c'est qu'elle est chiante! J'aurais besoin d'un avis extérieur. Non, Oui, alors. t'as pas besoin de penser, t'as juste besoin d'utiliser tes yeux. Là, ici. Où ça? Tous Ah les oui, là. yeux. C'est bon, c'est la dernière? Ouais, je pense. Ah, génial. Ah, il en reste! Ah, t'es vraiment aveugle, hein. Putain. Jamais faire confiance à une. Une. Hop. Ouais. Voilà. Ta gueule. Oui, je me sens plus revigoré à force de manger de la viande de zombie. C'est étonnant. Ah, il est l'heure de dormir. Misashi. Zaki. Viens. Attends, je compte. Dors. On dort à 20h. On mange à 6h. Marche. À 19h30, on est couché. Faut avoir une bonne hygiène de vie quand on a 72 ans. C'est vrai. Ah, on n'a pas de boussole. Ce serait intéressant ça, pour savoir où on va. La Mais deuxième, on est. mec. Ouais, mais qu'est-ce que t'en sais? Alors, je sais que je sais je bah, peut-être que je m'y connais un peu mieux parce que je viens du pays du soleil levant, mais le soleil est en train de se lever. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de regarder le soleil. Ça peut indiquer. Non, J'avais oublié complètement cette information. T'es sérieuse là? Allez, fais pas l'idiote. Tu vas pas laisser ton papy mourir ici? du pain. Non, je veux pas de pain. Je veux un pont. J'ai plus rien, j'ai plus de blocs, quoi. Voilà. Alors, les carottes. Oula. Mais t'es vraiment une teigne, hein. Putain. C'est Casse parce que les couilles. t'as parlé de moi en mal. Mais comment veux-tu que je parle de toi autrement qu'en mal? Ah, tu Putain, vois, c'est déjà gentil. tu sais même plus quoi dire, tu sais que j'ai raison. Je T'as vu ce que tu fais, tu m'enlèves un pont, tu veux que je meure dans le vide. Je ne peux parler que de t'ai toi. envie, finalement. Bah oui, j'ai toujours une botte secrète dans mon pied. Les prochaines conneries. Oh mince, c'est moi qui l'ai faite. J'ai pas exprès. J'allais dire la prochaine connerie, C'est des carottes. tu reçois un coup d'épée. Non, c'était des graines de blé que j'ai fait tomber, que j'ai cassé. C'est rien, T'as cassé des carottes. c'est que du blé, excuse-moi. Des carottes. Sont cuites. J'en ai Je une qui est répète. tiens. Je répète, les carottes sont cuites. J'entends sur l'île. Fais attention à toi, tu pourrais glisser. Quel vieux con. Par contre, il y a énormément d'or, hein. Je sais pas ce qu'on va faire avec tout cet or. Des pommes déjà. Pas transformer en argent. L'or en argent. Oui, on pourra transformer notre or en argent. Tu vas pas bien? Merci, on peut. Tu t'es pris pour un alchimiste? On peut transformer l'or en argent. Ah bon? Oui. Et ça sert à quoi? L'or d'argent.
quoi faire. Quoi ça sert d'avoir de l'argent, on est que tous les deux. On va pas commencer à s'acheter des trucs. Non. Dans une société de deux personnes, je pense que le troc, c'est bien suffisant.